Bonjour à tous, c'est Frosties et on se retrouve pour ce septième épisode du Playthrough 13 sur PC. Nous venons de libérer le général Carrington. Donc là, nous sommes sortis du bâtiment et là l'idée c'est de se sauver, de quitter cette base avec le général Carrington. Amène-toi, fils. On va retrouver ce fusible. Ok, père. T'as écrit plus vite que moi. Débarrasse-nous de ces guignols. Moi, je m'occupe de briefer Jones. Alors, il y a deux gars là-bas. Débarrasse-nous de ces guignols. Hey! Oh, les gars! Quelqu'un a vu la clé du local? C'est O'Neill qui l'a! O'Neill. Jack O'Neill. Ah, faut faire gaffe. Normalement, il y a moyen de les buter sans que ils me voient à chaque fois. Il est là-bas. Headshot. Alors lui, il va me poser problème parce qu'il a un casque. Ou raté. En plein front. Enfin, entre les deux yeux plutôt. Ah, lui, il se l'est pris dans la nuque. Donc, il y a un gars à l'intérieur. Il y a un gars là. Je vais attendre qu'il s'arrête. Ce que je vais faire, c'est que je suis rentré comme un bourrin, comme d'habitude d'ailleurs. Voilà. Et donc en fait, c'est enfin que j'aille ici en fait pour prendre le téléphérique. Cadavres partout. Le v'là ce O'Neill. Oh. Il te manque le fusible. Alors, le fusible. Donc on va aller chercher le fusible. Il est dans la maison. Alors, la maison. Non, c'est un sac à camion. Alors, une brique. C'est bon. Jones nous attend en bas. On se tire d'ici. Tu as entendu? Alors là, faut que je fasse gaffe parce que quand j'ai fait la partie tout à l'heure, moi j'étais parti dans le bâtiment quoi. Et lui il est resté là. Ce qui fait que bah je dois le protéger mais. Oula 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 oula. Donc, ce qui fait que moi quand j'étais parti, je me dis bah il me suit pas et en plus il se faisait tirer dessus quoi. Espèce de boulet. Il aurait pu aussi rentrer dans le bâtiment, mais non, il reste dehors, il a... C'est vrai que j'avais oublié de regarder, mais... Ah non, il n'y a pas de trace de... Ah, ça c'est bête, ça. J'aurais pensé qu'ils auraient mis quand même les traces de... Pourtant, il me semblait qu'ils les avaient mis dans... Bon, enfin, bref. Place le fusible et démarre ce vieux tas de ferraille. Ensuite, on se tire. Voilà. Et donc là, il va rester là, comme un pleu-pleu. Il va peut-être se faire tirer dessus, mais non, il préfère rester où il est. Ah. Oh, ça a fusé.
il faut que je monte. Y'a rien là. Les vitres elles sont pétées et tout. Qui est pas du tout scripté quoi. Cool. J'ai du mal à accepter ton amnésie, mon garçon. Bon sang, on était si proche du but. Le soir où tu as disparu, tu étais sur le point d'identifier le numéro 1. Mais évidemment, ça ne te dit rien. Écoute. Ils sont 20, mon garçon. 20 conspirateurs qui se cachent derrière tes numéros. Le capitaine Steve Roland en faisait partie. Le fameux numéro 13. C'est lui qui a tué le président. Mais ses complices l'ont trahi et ils ont cherché la mangouste de l'éliminer. Aujourd'hui, il est bel et bien mort. Mais qui suis-je, alors ? Qui arrive, on sait pas d'où elle vient. Putain, je me vais toucher alors que je suis y a du métal et du coup. Ouais, chuter. Je dois trouver un moyen de fixer mon gant. Là. Raté. 2-2. Et 2-3. C'est beau les scénarios. Bon, faudrait peut-être descendre. Ah, je peux prendre. Ah, je peux prendre mon flingue en étant sur le grappin, mais il faut obligatoirement que je reprenne le grappin pour. Par ici, laisse-toi. Ce niveau-là, il est beaucoup plus simple, je trouve, l'hélico est derrière cette que le... On va y arriver. Que sur GameCube. Donc c'est quoi, enfin, ça que je vais mettre. Parce que le nombre de fois où j'ai recommencé ce niveau... Parce que je me faisais tuer. Enfin, je croyais qu'il était mort. Attention! Lance-roquette à midi! Lance-roquette. Comme quoi là aussi c'est scripté quoi, j'étais.
J'aurais pu traverser toutes les cartes et sans avoir d'ennemis. Bon, il y en a encore un. Allez, j'y suis déjà moi. Celle-là aussi, le nombre de fois que j'ai recommencé, alors déjà j'avais plus de vie. Je n'arrive pas à redémarrer l'appareil. J'ai besoin de votre aide, général. Suivez-moi. J'aime bien le bruit. Et on va faire le bordel. J'allais jeter un œil sur le moteur. Bizarre la neige. Ce niveau, il est vraiment, c'est vraiment un peu aléatoire parce que j'ai fait la partie tout à l'heure et que j'ai pas enregistré malheureusement. Général, j'ai apprécié la balade, mais il serait temps de me révéler mon identité. Général, allô, général, est-ce que vous me recevez? Ils m'ont démasqué. Ils savent où je me cache. La mangouste va répliquer avec ses hommes. Je t'entends, Kim. Ne quitte surtout pas le chalet. On va te sortir de là. Je suis perdu, général. Vous entendez? En quelle galère elle va encore nous entraîner, celle-là? Capot 210. Le lac de Killoni n'est qu'à quelques miles d'ici. Qui est cette femme? Un agent qui travaille avec nous. Fausse alerte! C'était pas le bon chalet. Impossible de trouver la planque de la cible. Poursuivez les recherches. La mangouste va pas tarder. Donc je disais, c'est que le niveau sur la fin avec la mitrailleuse, je l'ai déjà fait plusieurs fois et entre autres tout à l'heure. Et qui c'est assez aléatoire le nombre de personnes à tuer, parce que j'ai dû tuer 4 personnes et direct il m'a dit ouais l'hélico il est réparé, on y va. Donc voilà pour ce niveau, donc on sera encore dans la neige. Cette fois-ci il faudra sauver une fille pour changer. Genre elle peut pas se débrouiller toute seule. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo, donc sur YouTube, sur la chaîne YouTube, ainsi que sur le blog Gamers Geek. Je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne journée. J'espère qu'il fait beau chez vous. Et en tout cas moi il fait beau, mais il fait chaud. Donc je vais en profiter un petit peu. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine. Salut.